fait quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on fait du saumon fumé, Pierre. Du saumon fumé. Eh bien ça c'est parfait, c'est très bien pour les fêtes, pour Noël. Quand on achète le saumon, qu'est-ce qu'on demande à son poissonnier? Alors on demande de le dégraisser. Voilà, sinon vous le faites vous-même, mais il faut un très bon couteau, donc ça n'a pas été simple. Nous on a essayé de le faire, c'était compliqué. C'est moyen. Et ensuite, surtout l'important c'est de le désarrêter. Il y a une petite pince comme vous voyez sur la vidéo, et c'est beaucoup plus simple avec ça. Voilà. Et en fait les arêtes se trouvent vraiment sur la même ligne. Et c'est assez facile à faire, ça prend un peu de temps, mais c'est assez facile à faire. Donc l'étape du salage. Alors, on mélange le sel avec du sucre. Ouais, on mélange le sel la cassonade. Avec de la cassonade. C'est pour conserver la couleur du saumon. Voilà. Avoir cette couleur bien rose. Ensuite, alors, quel est le but du salage? D'enlever l'eau du saumon. Ouais. Car la fumée est hydrophobe. Hydrophobe, retenez bien ce terme. Hydrophobe. Salage 24 heures. Ouais. Ensuite, on rince le saumon. On le sèche. Et là, on le remet au frigo. Alors bon, il y a différentes techniques. C'est vrai qu'on fait à peu près le même temps de salage que le temps de séchage. Ouais. Bon, moi, je trouve que ça fait un bon équilibre pour ensuite fumer le saumon. Le choix de la sûre? Bah, nous, on choisit de la sûre d'être. La sûre d'être? La sûre d'être. C'est la sûre d'être. La sûre d'être. La sûre d'être. La sûre d'être. C'est hyper dur. C'est à la maison. C'est très dur. Alors, il y a Rafa qui a fait une vidéo là-dessus où il explique très très bien comment sécher sa sûre pour pas que... Sécher sa sûre. Sécher. Sécher sa sûre. Sécher sa sûre. On est séchoche. Si tu es séchoche, tu peux sécher ta sûre. Deux minutes au micro-ondes. Deux minutes au micro-ondes, voilà, c'est ça. Et donc, et surtout, pas trop la tasser dans le serpentin, comme on le voit à l'image. Pas trop tasser, pour que l'air circule bien. L'important, c'est que l'air circule bien dans le serpentin. On a un peu galéré pour l'allumage. Ouais, on peut un petit peu galérer, ouais. Plusieurs techniques. Vous pouvez le faire au chalumeau de cuisine. Ça marche pas mal, ça marchait pas mal. Là, on a un peu galéré aujourd'hui parce qu'on n'avait plus trop de gaz. Moi, je trouve que ce qui se marre bien, c'est l'allume-feu, les petits allume-feu, comme quand vous allumez votre cheminée, il y a des allume-feu bio. Et le plus important dans le fumage, c'est quand même de respecter la température qui doit être comprise entre 20 et 25 degrés. Oui, voilà, ouais. Il n'y a plus qu'à mettre au barbecue. Voilà. Et pendant le temps que le serpentin se consume, donc c'est à peu près 12 heures. Ouais. Une fois que le saumon est bien fumé. Alors moi j'aime bien la technique du sous-vide tout de suite après parce qu'il garde bien son goût de fumée. Après, bon, différents avis sur le sujet. Alors nous, on a pris des filets entiers. Pareil, il y en a qui préfèrent mettre sous vide le filet entier. Après, avoir des belles tranches, voilà. Après, ça fait des grosses quantités quand même. Oui. Nous, on se le coupe en 4 sur un gros filet qui fait à peu près presque 2 kg. On coupe en 4 le filet. Ouais. L'important, c'est d'avoir un très bon couteau à saumon, donc des couteaux longs. Avec des petites encoches qui permettent alvéoles. Voilà, et d'avoir toujours la transparence au niveau de la tranche. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce, un commentaire, et on s'abonne. Et vive Noël. Et vive Noël. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year.